parler de... On va parler de tout ce qu'on n'a pas pu voir. Mais bon, on a quand même vu pas mal de choses hier soir. D'abord, un petit clin d'œil à Serge Moati qui était sur ce plateau hier soir. Voilà ce qu'il prédisait. Elle va jouer douce, je pense. Ah bon ? Oui, dans les débats d'avant premier tour, là, elle était comme maternelle avec lui. Mmh. Genre vif. Mmh. Il est mignon, il est... Mmh. Bon. C'est terrible. C'est-à-dire, tu n'as pas de poids devant moi. Tu n'as pas de poids. Voilà, désolé Serge Moati, mais pour la douceur, on repassera. On va avoir un débat démocratique. Allez-y, voilà. Vous en prie. Prêt ? Vous savez quoi, Madame Le Pen ? S'il vous plaît, non, mais c'était... Je ne suis pas pour ma part. Donc, mais vous savez, mais oui, malheureusement, l'état tout du le système pays appelle à voter pour pas vous. De rire. Moi, je ne ris pas avec l'état de notre pays. Je veux une France. Avec Estrosi, s'il vous plaît. Je veux une France qui, dans avec 5 Bertrand, ans. Avec Bertrand, avec NKM. S'il vous plaît. Madame Le Pen, c'est ça, s'il vous plaît, calmez-vous. Nous en avons. Mais dites-le. Calmez-vous, le pays mérite mieux mais que cela. Mais dites-le. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont parti. Sur les réseaux sociaux. Et alors, en régie, ça riait aussi ? Comment ça réagissait ? Non, ça riait pas. On est assez concentré dans ce type d'exercice. Donc, on regardait ce qui se passait. Bon, là, on est plutôt dans le dernier tiers, je crois, du débat. Donc, on était habitué à ce rythme un petit peu... haché, accéléré, on va dire. Et là, la danse de Saint-Guy, c'était quand même étonnant à filmer, non ? Oui, voilà. En régie, il y avait une tension dingue, d'autant qu'il y avait des représentants des deux candidats quasiment à vos côtés, notamment Sébastien Chenu qui représentait Marine Le Pen et qui a expliqué qu'il avait rappelé à l'ordre Michel Field pour les commentaires qu'il faisait au sujet de Marine Le Pen. Selon lui, il ricanait ou donnait son avis, le patron de l'information de France 2. Il y avait un deuxième débat en régie ? Il n'y avait pas un deuxième débat, mais en fait, dans ce type d'exercice, il y a les réalisateurs conseils. Vous savez, chaque candidat a un réalisateur conseil qui est en régie et qui est là pour vérifier qu'il y ait une égalité parfaite de traitement dans la gestion des plans et puis dans la distance de la caméra, etc. Et là, apparemment, M. Chenu tweetait un petit peu des choses. Oui. Regardez pas tellement le débat, j'ai suivi ça d'assez loin aujourd'hui, mais a priori, il... D'après les mots de Michel Field, oui, qui a démenti évidemment avoir eu sa réaction et qui a justement dit que Sébastien Chenu a passé son temps à envoyer des textos. Voilà, moi je les ai dans mon dos, les réalisateurs conseils, donc ils peuvent me parler dans un casque, puisque dans la charte de réalisation, ils ont le droit. L'histoire des plans de coupe a été longuement négociée jusqu'au matin même, puisque ça a été décidé au CSA le matin même. Et donc, il y avait la possibilité pour les réalisateurs conseils de me demander de retirer un plan d'écoute s'ils estimaient que ce plan n'était pas... Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Oui, c'était même le nerf de la guerre, ces fameux plans d'écoute. C'est-à-dire qu'il y avait Sébastien Chenu en plus du réalisateur. C'est-à-dire que moi, je réalise le débat, donc là, c'est très instinctif. Hein, je passe des plans qui sont chartés. Et le réalisateur conseil. Voilà, il y a un réalisateur conseil pour Mme Le Pen, un réalisateur conseil pour Monsieur... Alors, il n'y a que deux dans le cas. Oui. Après, dans le cas, il y a Catherine Nel pour TF1, pour la rédaction de TF1, Michel Field pour France 2. Et il y avait des conseillers des deux. Et voilà, et à part les réalisateurs conseils, il n'y avait que ces réalisateurs conseils en régie. Ces réalisateurs conseils, ils ont pour mission de vérifier à l'égalité parfaite. Dans la charte qui a été signée, j'avais stipulé que j'appelais ça, moi, être plutôt des plans d'écoute que des plans de coupe. Mmh. J'avais fait cette nuance parce que c'est vrai que dans ce qui avait interdit, je pense, poussé à interdire les plans de coupe à l'époque avec Mitterrand et Moati, c'était qu'un plan de coupe pouvait être très interprété. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir une espèce de forme de subjectivité du réalisateur à ce moment-là. Si on passe plusieurs fois un plan d'un candidat qui regarde ses fiches, par exemple, et qu'on le met à répétition, on peut donner le sentiment que le candidat ne connaît pas ses fiches. Donc moi, j'avais rassuré au CSA les candidats sur ce point, en leur disant que l'objet, ce n'était pas ni de les montrer quand ils se grattaient l'oreille, ni quand ils buvaient de l'eau, ni lorsqu'ils regardaient leurs fiches, mais au contraire, de ne les passer que lorsqu'ils avaient des mimiques. Ouais. Qui racontait quelque chose et qui était intéressante à montrer. Vous avez compté au plan près le nombre de plans d'écoute d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. C'est quasi égalité à un plan près. Mais ce qui a frappé hier, c'est la quantité de fiches et de dossiers qui étaient posés devant Marine Le Pen. Fiches qu'elle a consultées dès son introduction. Plan d'écoute ou pas, on regarde. Bien moi, face à cela, je suis la candidate du peuple, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous. La stratégie marketing, vous n'avez pas mis en œuvre de délai de paiement pour les TPE-PME, pas de guichet unique, pas de simplification administrative. Dernièrement, un de ces responsables. Vous avez-vous une part de responsabilité ? Bah, je ne sais pas, oui. Non, mais en gros. Non, mais parce que vous dites toujours en si gros quand vous me citez. Jamais précis. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. Difficile de ne pas le montrer, ça. Oui, mais là, par exemple, c'est vraiment l'exemple précis. C'est-à-dire que là, elle regarde ses fiches en parlant.
Il y a une grosse nuance, parce que c'est vrai que tout est négocié vraiment à la virgule dans cette charte de réalisation. Ce que j'appelle des plans de coupe, dont j'avais promis que je ne dépasserais pas, c'est un plan d'un candidat qui ne parle pas et qui regarde ses fiches pendant que l'autre candidat parle. Ce plan-là, il n'a pas du tout la même signification que là, lorsque la candidate parle, et qu'en parlant, elle regarde ses notes. Là, je suis sur elle. J'ai élargi un peu le plan pour montrer qu'il y a des notes sur la table, mais ça, elle s'en cache pas. Elle connaît suffisamment bien l'exercice des plateaux de télévision pour savoir que si elle vient avec un paquet de dossiers, ils seront vus, surtout quand ils sont colorés. Ouais. Mais donc là, précisément dans ce sujet, on voit bien que je la montre en train de parler et lorsqu'elle parle, elle regarde. Et c'est pas vous qui avez fait les flèches, c'est nous. Autre difficulté hier, l'âpreté du débat qui faisait que parfois c'était quasi inaudible et la difficulté des deux débatteurs, des deux médiateurs à s'imposer. Je voulais, parce qu'on nous accuse important de savoir. On nous accuse régulièrement. Tous, quasiment. On savait avant tous. Jamais. Madame Le Pen, tous, on nous accuse de ne pas parler de fond de temps en temps. Donc, il y a fond, c'est très important. C'est très important. Un sujet qui préoccupe les Français. On reste dans un système de répartoprise. Est-ce que vous voulez bien nous écouter deux minutes? Il y aura d'autres questions. Jamais. Jamais. Les Allemands soient contents. On considère non, Madame Le Pen. La chancelière d'Allemagne soit contente. S'il vous plaît. Madame Le Pen, on a compris avec vos caricatures. Non, mais on va avancer. L'investiture à l'égard de l'Allemagne n'a jamais fait progresser la France. S'il vous plaît, on a compris. On a compris la grande différence qu'il y a entre vous et moi. On a compris. On n'a pas compris. On ne va pas passer trois heures sur vous. Vous avez décidé d'y aller parce que vous avez vu que j'y étais. Demandez aux salariés d'un temps rond. Attendez, c'est inaudible. Oui. Nathalie Saint-Cricq, elle a confié ce midi sur Europe Midi qu'elle était sortie en loc de ce débat. C'était le cas, vous aussi. Je pense qu'elle est sortie. Pour eux, c'est encore plus difficile que pour moi, parce que moi, je suis derrière, je suis pas à l'image. C'est toujours plus compliqué quand on est à l'image. Mais enfin, je sais pas comment on serait sorti d'autres journées. Je pense que l'exercice était très dur. Moi, c'est le seul. Il n'y avait pas de place pour eux. Ouais. Voilà, la seule chose dont je puisse être témoin, c'est que quand on est réalisateur, on s'aperçoit très vite de l'ambiance qui va régner sur le plateau assez rapidement. Et là, très vite. Avant même que le débat commence, c'est-à-dire avant quelques secondes avant le générique début, il y avait déjà un regard qui se portait vraiment sur le candidat d'en face, parce qu'il y a toujours le moyen pour un candidat de s'adresser à un journaliste et du coup d'échapper un peu du regard le candidat qui est en face de lui. Mais c'est une technique que beaucoup de politiques savent absolument bien gérer quand ils ne veulent pas être trop confrontés au regard ou même à des interruptions ou des saillies comme ça du candidat adverse, ils se posent sur le journaliste et à ce moment-là, ils réussissent à échapper. Là, d'emblée, il y avait une tension très palpable qui après s'est confirmée pendant le débat et qui était celle qu'on avait tous vue hier. Ils n'étaient pas avantagés au son, les deux journalistes. Hein. Moi, j'ai vu quelqu'un ce matin qui a écouté le débat à la radio et qui n'entendait même pas du tout le son de leur voix. Et c'était couvert par le bois. Donc peut-être que ça aurait permis qu'ils s'imposent davantage sinon. Aussi, c'est très subtil parce que vous savez, les micros d'abord en régie, ils sont toujours gérés manuellement. C'est-à-dire vraiment l'ingénieur du son a les mains sur le micro comme ça. Et c'est pas du tout mécanique ou automatique. On monte ou on descend, on module comme ça au fur et à mesure. Quand il y a une cacophonie qui se fait naturellement, parce que les deux candidats s'interpellent de manière importante. C'est celui qui parle le plus fort. Oui. Le journaliste, d'abord, je pense, vous êtes mieux placé que moi, vous savez bien gérer ce genre, vous l'avez tous fait autour de cette table. On se pose d'abord la question de savoir à quel moment on va les interrompre. Et puis quand on les interrompt, on rajoute une troisième voix à deux voix qui sont déjà, qui prennent de l'espace. Et cette troisième voix, elle rajoute de la cacophonie. Donc soit cette troisième voix, elle interrompt tout de suite les deux débatteurs. Et à ce moment-là, l'intervention du journaliste ou de l'intervieweur a fonctionné. Soit elle ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, s'il continue, on a comme ça une cacophonie qui se... Non, mais je suis content, c'était un bon entraînement pour l'ouverture et la clôture de Cannes. Merci. Ben voilà, on est prêts. Pour rester avec nous, on va accueillir Maxime Suter.